Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien en cette journée de 1er mai, une journée ensoleillée où personne ne travaille, mais de toute façon comme c'est dimanche, ouais, c'est, ça tombe pas bien cette année. Bah non, ça fait pas un week-end à rallonge, non, ça fait pas une petite coupure en pleine semaine ou des choses comme ça. Bon, comme je le disais dans ma vidéo précédente, car je viens de vous faire la vidéo de ma scrap room, comme j'avais promis, si, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous ai pas montré tous les tiroirs où je range mes tampons et tout ça. Ben non. Ouais, ben non. Parce qu'après, j'aurais pu vous montrer les tampons un par un. Les... Ouais, je sais. N'importe quoi. Hein. Non, en mai, fais ce qu'il te plaît. Hein. Voilà, c'est ça le plus important. En mai, fais ce qu'il te plaît. Si, ben, si on a droit, on a droit, on a droit. Hein. Profitez-en, c'est ce mois-ci. Le mois prochain, ce sera déjà trop tard. Si. Alors, je sais pas d'où ça vient cette expression encore. Je ne sais pas. C'est n'importe quoi. Hein. Pourquoi en mai? Et pourquoi pas en février? Bah si, ça rime aussi. Hein. Février, fais ce qu'il te plaît. Bah si, ça marche aussi. Hein. Si. Enfin bon, bref, peu importe, peu importe. Donc, je vous ai fait une petite vidéo de ma petite scrap room. C'était surtout pas. Bon bah, oui, j'ai un grand espace et tout ça. Oui. J'ai un grand espace. C'est vrai, j'ai beaucoup, beaucoup de chance pour ça. Pour ça, j'ai beaucoup de chance. Et donc voilà, c'était juste parce que je sais qu'on aime bien, il y a des personnes qui aiment bien savoir où, comment vivent enfin, les autres quoi, en fait les autres, parce que ça, soit ça les inspire, soit, vous voyez, ça donne des idées, etc. Donc moi j'aime bien partager tout, et puis voilà, donc ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, en tout cas ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir, parce que j'ai pu aussi vous montrer toutes vos créations, tout ce que vous m'envoyez, etc. Et c'est ça moi qui me fait plaisir, c'est pas de vous dire, voilà, bon, j'ai un grand bureau, j'ai ci, j'ai ça, j'ai pas plus que quelqu'un d'autre, hein, je vous assure. Déjà, je suis, comme je dis souvent, je suis vieille. Je suis plus vieille, je n'ai pas 20 ans. Donc, c'est sûr qu'à 50, on en a plus que quand on a 20 ans. On a plus de choses. On cumule. Et donc, forcément, j'ai sûrement plus de choses que certaines d'entre vous. Mais c'est, voilà, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Parce que, bon, c'est bien beau d'avoir des choses, mais bon, voilà. Bref, alors. Je sais pas si vous voyez mon petit chat. Parce qu'en fait, ah, vous le voyez là sur sa chaise haute, si c'est un petit coin. Il a vomi cette nuit, comme je disais dans ma vidéo précédente. Et donc là, je l'ai mis à la diète. Donc il fait la tronche. Bah si. Si. Donc il me surveille. Le moindre geste, des fois que j'allais faire à sa gamelle. Si. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, donc voilà. En tout cas, ce que je voulais, moi, c'était surtout vous montrer que tout ce que vous m'envoyez, toutes vos créations que vous faites avec amour et tout ça, bon, eh bien, j'essaie de les mettre en valeur. Voilà, j'ai essayé de les mettre en valeur parce que ben, voilà, ça me fait plaisir. Alors, ça va être des nids à poussière, hein, mais j'ai acheté un Swiffer, un petit plumeau Swiffer. Ça va très très bien pour la poussière. Si, c'est très très bien. Donc, voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais pas. Aujourd'hui, donc, c'est le 1er mai, blablabla. Si, ben, ça y est, on va le savoir. C'est bon, Angélique, on a compris. C'est le 1er mai, ça fait du muguet. Fais du travail, fais ce qui te plaît. J'ai droit, je fais ce que je veux quand même, j'ai droit. Alors donc pour ce faire, c'était, donc je répète, hein, je répète des fois que cette personne ne regarde pas la vidéo de la scrap room parce que ça n'intéresse pas tout le monde, ça c'est comme les, hein, vous savez, bon, on regarde pas toutes les vidéos, on n'a pas que ça à faire déjà, hein, maintenant il fait beau, vous êtes dans les jardins, mais si. Alors donc, c'était donc l'anniversaire de, alors je crois que c'est, alors, parce que j'ai cherché sur mon compte Facebook, sur la chaîne Facebook, je n'ai pas trouvé Sylvie. Alors ça veut sûrement dire qu'elle ne fait pas partie des scrappeurs du cœur, mais c'est pas grave, hein. Maintenant, c'est pas grave. C'est juste que ça doit être une abonnée de YouTube qui m'avait donné sa date de naissance, hein. Bah si, pour que je lui souhaite. Alors, donc, il s'agit de Sylvie Pellissier, alias Sissi, hein. C'est son anniversaire le 1er mai. Si, donc je lui fais une petite page avec du muguet, comme je le disais, que j'ai glittérisé. Moi, je m'en fous, j'ai le droit de dire des mots que j'invente. Un petit papillon et une rose, parce qu'il est dit donc mai est le mois du muguet, mais aussi de la précieuse rose de mai. Si, la rose de mai, si, c'est bien connu ça. Également baptisée rase.
Rose aux 100 feuilles. Hein. Rose vif, elle symbolise l'amour et distille un parfum puissant et sucré. Hein. Voilà. Donc, Sissi, j'espère que ta page te plaît. Hein. Et puis, donc, voilà, un bon anniversaire à tous ceux que je ne connais pas. Et puis, voilà, je vous fais tout plein de. Voilà, tout plein de. Je t'envoie plein de bonnes choses. Si, plein de bonheur. Et puis, plein de bonheur à tout le monde, évidemment. Hein, que ce brin de muguet soit partagé avec vous tous. Et bah, je vous souhaite voilà, plein de bonne santé, plein de bonheur, plein de pognon. S'il en faut, du pognon. S'il en faut, c'est important. Si l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent ne fait pas le bonheur. Hein, ça, c'est des conneries. Hein. L'argent, ça a toujours fait le bonheur. Hein, c'est ça. Alors, bah si, hein, quand on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, c'est la zone. Hein, bah si, bah si. On n'a pas d'argent, on ne pourrait pas soigner ses animaux, par exemple. Hein. Ah si, moi hier, c'est hier, vendredi, là, ouais, c'est vendredi, j'étais donc chez le vétérinaire et tout ça. Il y avait des gens, ils étaient en train de faire un crédit pour pouvoir payer les soins de leur animal. Hein. Bah si, hein. Bah si. Si vous ne faites pas d'économie, moi mon chien n'a pas voulu me l'assurer parce que c'est un cavalier King Charles et tout ça. Et quand j'ai voulu l'assurer, il était un peu trop tard. Hein. Il avait déjà 4 ans, ouais. Ils m'ont dit non, 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 on l'assure pas, c'est des chiens, ils coûtent trop cher, ouais, c'est vrai. Et donc, ils n'ont pas voulu me l'assurer. Et donc, bah, j'ai dû faire des économies pour quand il lui arrive quelque chose, quoi. Bah si, il y a une cagnotte Joy. Bah, si. Et donc, bah, il y a des gens, ils ne peuvent pas faire de cagnotte parce que bah, ils ont des enfants, déjà avant tout, les enfants, et puis machin, et tout ça. Donc, bah, voilà. Et bah, quand l'animal il a un problème, et bah, ils font des crédits, ils payent en plusieurs fois chez le vétérinaire. Voilà, enfin, on fait ce qu'on peut. Et donc, du coup, je voyais des gens qui pleuraient, qui étaient en larmes. Enfin, moi, ça me fout le cafard, ça. Si, parce que vous savez que votre animal, ben, si vous lui donnez pas les soins, il va mourir. Et vous n'avez pas l'argent et tout ça. Bon, alors, bon, les vétérinaires, ils sont humains. Hein. Ils vous prennent très, très cher, mais vous pouvez payer en plusieurs fois. Bon. Mais bon, quand vous voyez les gens pleurer, ben, j'arrête de parler de ça me fout le cafard, laissez tomber. Alors, donc, pour ce faire, ouais. Non mais c'est vrai, hein, l'argent c'est hyper important, bah si. Donc voilà, je vous envoie voilà, l'argent, la santé, bien évidemment, c'est ce qu'il y a de plus important, mais du bonheur pour la santé et du bonheur pour le pognon. Si, après le reste, ça va, tout va. Quand on a la santé puis le pognon, ah, si. Quand le pognon, ça veut dire qu'on a du travail, etc. Ben si, ça va avec. Donc, on va ouvrir un petit colis, tout petit colis, c'est une folle. Ben si. Alors, bougez pas, je retire l'étiquette des adresses et tout. C'est une folle. Le carton, il est immense. Et puis, il est très lourd. S'il est très très lourd, je ne sais pas ce qu'elle a mis dedans. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ça me vient de donc. Attendez, parce que c'est écrit en minuscule. Déjà que je vois rien, mais ils mettent ça en minuscule, la poste. Si. Marie. Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi, d'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. Le leur amour plus bleu que le ciel autour. Nanana. Ah, j'adore. Ah, j'adore Francis Cabrel. Ah, j'adore. C'est une très très belle chanson. Donc voilà. Donc petite Marie, on va ouvrir ton gros colis. Si. Vous avez vu, je fais des rimes. Si. Si. Alors pour ce faire, je me mets debout. Hein. On se lève tous pour colis, pour le colis, pour le colis, pour ouvrir le colis. Ouais, je sais, je suis complètement ravagée. Et pourtant, je ne me suis pas mis au soleil. Hein, pour pas dire, ouais, elle a pris un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Non, elle n'a pas pris ça parce que je n'ai pas mis le nez dehors encore. J'ai pas eu le temps. Hein. Si, j'ai sorti mon chien. Et comme. C'est quoi ça? Ouh là 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 là. J'ai peur. Si. Et comme. J'ai peur. Si, j'ai déjà peur. Mais comme il est. C'est pareil, il n'a pas l'air en grande forme. Il n'avait aucune envie de sortir. Donc, il s'est dépêché de poser Popo. Et hop, il a voulu tout de suite rentrer. Si. Bon, alors donc, ben, la promenade, elle était raccourcie. Mais hier soir, on est sorti pendant 1 h 30. Hein. Le soir, il aime bien sortir la nuit. Si, si. Alors, donc, qu'est-ce qu'elle me dit, la coquine? Oh là. Alors, attention, attention. Si, attention, attention. Si, j'ai peur. Les chamallows ne sont pas à consommer. Ils servent uniquement à protéger les œuvres d'art de très haute valeur. Contenu dans ce colis quand même. Bah si quand même. Sinon, pouf pouf. Ça commence bien. Sinon, pouf pouf. Oui, je sais, ça sert à rien.
attention les... Ils servent uniquement à protéger les œuvres d'art de très grande valeur, de très haute valeur, contenues dans ces colis. Quand même. Sinon, pouf, pouf. Je sais. Je suis morte de rire, ça commence, j'ai déjà mal au ventre. Non mais si, j'ai déjà mal au ventre, alors donc pour ce faire... Si. Alors, bon, je change de stylo. Dur, je sens que ça va être dur. Elle commence à écrire coucou. Je sais pas. Mais bon, je change de stylo. Celui-ci, c'est de la drouille. J'adore. J'adore. Elle parle comme moi. Si, j'adore. C'est de la drouille. C'est comme mes clients. Les clients sont tout le temps en train de dire. Mais si, ouais, mais si, 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 et si, et si. Mais je dis, mais attendez, si ma mère en avait, on l'appellerait mon père. Hein. Oh là là, puis avec des si, on refait pas. On scie du bois, oh là. Non, mais toujours des si, des si. Les gens qui disent et si, et si, et si. Non, mais c'est à bannir. C'est ça. C'est ça. Oh là là. Non, je m'appelle. Je m'appelle Marie. Si, je voudrais bien. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé, être beau, gagner de l'argent, puis surtout être intelligent. Mais pour tout ça, il faudrait que je bosse à plein temps. La ni la ni la ni non. Je sais, je suis folle. C'est fait. Être aimé, ok, être belle, trop tard. Gagner de l'argent. Oh là là, comment te dire, tu m'étonnes, les clopinettes, si si c'est vrai. Oh là, mais surtout être intelligent. Ah bah en fait elle l'a chanté parce que je lui chantais, mais elle aimait. Je me présente, je m'appelle Marie, je voudrais bien réussir ma vie, ça c'est fait. Être aimée, ok, être belle. Trop tard. Gagner de l'argent, si. Oh la vache, c'est trop drôle. Oh si. Elle est éducatrice. Comment te dire, ça rapporte des clopinettes. Si, si, c'est vrai. Et puis surtout, être intelligente. Oui, c'est ok, c'est aussi. Si, bah si. Si c'est quelqu'un d'intelligent, c'est sûr. Ah bah si. Voilà mon petit colis pour toi. Petit colis. Oh la vache. Oh là là. Non. Non. Bah si, j'ai droit. Bah oui, t'as droit. Hein. J'adore ça. C'est bien, ouais. Oh là là. Oh mon petit cœur, bah oui. Ah, je crois qu'elle dit. Elle est con. Ah, non, bah ça. Oh, bah, oui. De chez Action, pouf, pouf, poubelle. Encore changer de stylo, pouf, pouf, poubelle. J'adore. Oh mon Dieu, j'adore. C'est excellent. Oh non, mais non, non, mais c'est pas possible. Oh, je suis morte de rire. Elle est trop folle. Ah, oh, j'adore, j'adore. Oh, c'est beau. Oh, punaise, c'est trop beau. Oh non, c'est bien. Oh non, vache. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Oh, c'est beau ce qu'elle a fait. Oh, c'est un slip. Avec du poil. Elle est con. Oh, il va me faire canner. Oh, c'est beau ce que t'as fait. C'est de l'art. C'est magnifique. Oh, c'est trop beau. Oh, j'adore, 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 j'adore. Oh, j'adore la fille, là, en photo. J'adore. Bien, ça plairait bien, ma gothique. Oh, je parle de ma gothique aujourd'hui parce que c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. Rachel, je crois, c'est son prénom. J'aime bien, en plus, son prénom. Et ça fait vachement longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. J'espère qu'elle pense pas que je ne pense pas à elle. Je ne sais pas pourquoi je pense à elle beaucoup, beaucoup aujourd'hui. C'est bizarre, hein. Non, mais c'est le genre de choses qui lui plairait, je suis quasiment sûre. Si, si. Enfin, si, si. Ouais, si, si, c'est l'anniversaire de Sissi aujourd'hui. Je vais y arriver. Non, c'est une catastrophe aujourd'hui. Ça va être dur, hein, je vous préviens. À mon avis, je vais ouvrir que ce courrier-là. C'est pas possible. Donc, elle m'a fait, sur une base de craft, elle m'a mis une jolie photo, là. Une jolie... Je pense qu'à la base, c'est une image. Ou alors, elle l'a créée... Ah non, 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 non. Je n'ai n'importe quoi. Hein. Si, il y a peut-être une image. Enfin, la fille, là.
Je pense que là, c'est une image. Et après, la texture, hein, avec ben, du gesso, du machin. Enfin, elle a fait plein de trucs. Hein. C'est beaucoup de travail, l'art comme ça. Enfin, je sais plus comment on appelle ça. Là. Moi, je dis de l'art journal, mais voilà, il y a des tamponnages, il y a du gesso, du. Voilà, elle a collé du comment. J'arrive à rien du tout. Non, mais ça m'a perturbée. Je suis morte de rien. Du comment, de la gaz et tout ça, vous voyez. Voilà. Et puis NJ avec un Y, sympa. Mais j'adore. Si. Et puis R, c'est peut-être comme ça que j'aurais dû l'écrire finalement aussi. C'était sympa. Et puis donc, elle a marqué R comme ça. C'est une découpe, hein, c'est une découpe. Et puis des petites gouttelettes comme ça de comment ça s'appelle, de glitter. Mais voilà. Super belle ta carte, j'adore cette fille au regard triste, j'adore, j'adore, j'adore. Si, j'adore. Donc, des conneries. Ah, c'est trop excellent! Elle m'a fait son slip. Je regarde dedans. Non, faut que je regarde dans le slip 47. J'ai pas encore eu le temps. Non, j'ai pas encore eu le temps, mais je vais regarder dans le slip 47 parce qu'il y a un mot, il paraît. Non, je regarde toujours dans les slips d'habitude. Si, des fois, s'il y a des taches au fond, un truc comme ça, si. Je sais. Et donc là, elle m'a fait son petit slip et regardez le chat, ça fait un cintre. J'adore. C'est magnifique, hein. Sublime, sublime. C'est colorisé. Ils sont trop beaux ces chats, non? Ils sont magnifiques, hein. Oh, je sais pas comment elle fait, hein, parce que toi, c'est trop fort, si, si. Et voyez là, le chat, il s'est accroché au slibard, donc voilà, ça a esquinté mon slibard, si, ça l'a esquinté, c'est malin, hein. L'autre, il sort de là, puis il y a du poil. Si, choubidoubidou, j'ai du poil, Anna, choubidoubidou, j'ai du poil partout. J'en ai devant comme Sylvie Vartan, j'en ai derrière comme Alain Barrière. Choubidoubidou, j'ai du poil, Anna, choubidoubidou, j'ai du poil partout. Je sais. Et puis il y a les arêtes de poisson, ça sent le poisson. Si, si, ça sent la marée. Bah si j'ai droit, je m'en fous. En mai, fais ce qu'il te plaît. Si, si, si. Je regardais. Pourquoi je parle de ça là? C'est parce que j'ai vu quand j'ai ouvert ma pour mettre ma vidéo. Enfin, je l'ai pas encore mis, mais je voulais mettre ma vidéo là sur la scrap room. Puis vous savez, quand vous ouvrez YouTube, hein, vous avez des vidéos comme ça qui apparaissent en premier, même si vous n'êtes pas abonné, il y a des vidéos comme ça qui apparaissent. Et j'ai vu qu'il y avait, il y avait, comment dire? Une youtubeuse, mais une youtubeuse, ça fait 6 ans qu'elle YouTube. Si. Et elle avait marqué en titre coup de gueule. Alors, évidemment, on est tous pareils, quand on voit coup de gueule, ça nous interpelle, on a envie d'aller voir. Et en fait, c'est une youtubeuse vachement suivie, vachement, vachement suivie, qui je sais pas quoi, là, enfin, je sais plus, je ne sais pas, parce que moi, je la suis pas. Hein. Mais j'ai juste, je voulais savoir Et en fait, c'est parce qu'ils l'ont. YouTube, ils l'ont. Ils l'ont un peu saqué là, je sais pas quoi. Enfin, elle a été dénoncée, enfin, comme comment on dit là, truc à caractère pornographique parce que comme elle crée des sous-vêtements et qu'elle a fait s'est montrée en sous-vêtements pour montrer ce qu'elle avait fait et comment ça se portait sur voilà. Il y a quelqu'un qui l'a dénoncée n'importe quoi. Quand je pense à ce qu'on voit, les horreurs qu'on voit des fois. Si, moi je me rappelle d'une pub. Ouais, je sais, je m'en fous. Je fais ce qui me plaît. Si, je fais ce qui me plaît, on est en mai. Je sais pas si vous vous souvenez. Si vous êtes de ma génération. Si, bah, je sais que de toute façon, tous ceux qui me suivent, ils sont de ma génération. Si, il n'y a pas de. Et donc, si vous êtes de ma génération, il y avait cette fameuse pub où le gars, il était à poil sur son vélo. Je crois que c'était une pub pour je sais pas quoi. Et le mec, il était à poil. Il montait sur son vélo à poil dans la ville. Il allait à la poste ou je sais pas quoi. Enfin, je sais plus. Mais ça n'avait aucun. De toute façon, on ne savait même pas pourquoi il était à poil sur son vélo. Et ça choque personne. Ça n'avait ni queue ni tête. Enfin, ça, je sais pas, bon, ben, ça n'avait ni queue ni tête, mais voilà. Hein. Alors, des fois, on nous montre des trucs. On peut voir n'importe quoi sur YouTube. Voilà. Et la fille là, qui fait des créations de sous-vêtements, machin, parce que c'est pour des femmes qui ont besoin, parce qu'elles ont des fortes poitrines et tout ça. Et c'est vrai qu'on trouve rien en magasin, ou quand on trouve, c'est hors de prix. Je suis pas concernée, mais je sais, je connais ce problème, je connais le problème de ces femmes-là. Et donc elle fait des trucs bien pour aider les filles et tout. Et il y en a une qui l'a dénoncée parce que sûrement elle est jalouse de ses seins, si, sûrement. Et donc YouTube, ils lui font des problèmes, la pauvre. Si. Ça fait 6 ans qu'elle fait des vidéos et maintenant on l'embête. Voilà, c'est incroyable. Hein. Donc les gens, il y a des.
Il y a vraiment de tout. Je sais bien qu'il y a de tout, mais c'est incroyable, mais vrai. Bon, bref, tout ça pour dire que, bon, bah, choubidoubidou, on a du poil partout. J'espère que je vais pas être. Si, je ne vais pas être. Comment on dit là? Vous savez qu'on me supprime ma vidéo parce que j'ai montré des poils partout. Non, c'est des poils du chat. Si! Ah, si! Le chat, il a cherché sa chatte. Si. Ouais, je sais. Bon, on a droit. Je m'en fous, je fais exprès. Je fais exprès aujourd'hui parce que. Non, c'est vrai, il y a des trucs qui me. Il y a des comportements de gens qui me dépriment, moi, je trouve. Je trouve que c'est déprimant. Alors, donc, pour ce faire. Si! 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 Bah, si, c'est ma chatte. Mon chat, ma chatte. Bah, si, on a le droit. Puis derrière, si, bah, si. Alors, donc, pour ce faire. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Tu es le slip 49. C'est dommage, je viens de faire ma vidéo. Bah, et puis il y a le code barre et tout. Hein. Si, il y a le code barre. Et puis même, on pourrait penser que le chat, il voulait faire un code barre. Si, si, on aurait pu. On aurait pu penser que le chat, il fait le code barre. Si. Alors, pour ce faire, tu es le 49. Alors, je vais te mettre à la suite du code barre. Hein. Tu sais ce que je vais faire? Je vais rajouter des petits traits. Mais si, j'ai le droit. De toute façon, je fais ce qui me plaît. Je rajoute des petits traits. Hein, et j'allonge le code barre. J'espère que mon idée te plaît. Si. Allez. Alors, pour ce faire, je t'accrocherai. Hein, d'accord? Si. Alors, ensuite, on continue parce qu'on n'est pas au bout de la vidéo. Je ne vous dis pas, ça fait 20 minutes, j'ai ouvert un truc. On touche le fond. Ah, mais écoutez, hein, moi, j'ai que ça à faire. Je travaille. Mais si, je travaille. Mais il y a le boulot. Alors là, m'a fait une magnifique carte avec une patouille, des encres aquarellables et tout ça. Magnifique. Elle colorise. Mais alors, c'est pareil, c'est une artiste. Hein. C'est une artiste. Non. Quand je vois vos créations, je me dis comment ils peuvent me suivre sur... Enfin, en fait, ils me suivent pour mes conneries. Si. C'est pas pour ce que je fais. Si. Alors là, elle m'a fait une patouille magnifique avec des encres aquarellables. Elle a fait des tamponnages et tout ça qu'elle a embossé à chaud. Hein. Avec une poudre blanc, j'adore, c'est hyper joli, qui ressemble à des feuillages qu'elle a coordonnés avec son papier, vous voyez. Et après, elle a fait des gouttelettes comme ça, alors soit avec une peinture, hein, soit une peinture acrylique, ou soit du gesso, ou elle a secoué comme ça, pouf, 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 elle a fait des gouttelettes sur le lapinou, si, qu'elle a colorisé, hein, enfin, c'est une artiste, c'est une artiste, hein. Donc, elle a mis le sentiment bonne fête. Hein. Elle est magnifique ta carte, elle a ancré les bords en noir. Ça fait super bien d'ancrer les bords en noir. Moi j'avais toujours tendance à le faire en vintage. Bon, moi en ce moment je le fais, je fais plus rien. Si, je me contente du minimum. Si, j'approfondis plus les choses depuis un moment. Mais j'adore, hein, j'adore, bien sûr, j'adore ça. Hein, mais bon, ça prend beaucoup de temps de faire une carte comme ça, vous savez. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Hein. Ah si, c'est énorme. Il y a la patouille, il y a l'embossage à chaud, il y a la découpe, il y a la colorisation, il y a les tamponnages, c'est énorme. C'est énorme, la découpe des feuilles, des papiers, les collages. C'est énorme le travail qu'il y a sur une carte comme ça. Énorme, si. Ah, c'est moi! Oh, mais oh, je suis trop belle! La fille! Non, non, la fille vachement modeste. Oh, je suis belle, je suis magnifique, c'est ça. Oh, j'adore cette carte, j'adore ce système de cartes. En plus, c'est trop beau ce qu'elle m'a fait. Elle a pris une base de noir. Ah, j'adore ce que t'as fait. Elle a pris une base de noir, elle a fait des collages de pages de livres comme ça, et elle a fait un encadré. Vous savez, c'est la carte coucou. Enfin, moi, je l'appelle coucou, je sais rien. Je sais pas. On appelle ça comme on veut, on fait ce qu'on veut, on a le droit. Alors, attendez, figurez-vous, on ouvre, attendez, on ouvre comme ça, je veux dire. Ouais, je vais y arriver. Si, si, je vais y arriver. Elle a fait un cadre comme ça avec une patouille qu'elle avait fait, sûrement, c'est joli, hein. C'est super joli, hein. J'adore. Et donc, regardez, c'est moi. Si, c'est moi. Ah bah mince, téléphone, je reviens de suite. Ne quittez pas, je reviens tout de suite. Donc reprenons. Donc je sais plus où j'en étais parce que j'étais quand même interrompue un certain temps. Donc je disais que là c'était moi. Si c'est moi, bah si. J'adore les photos noires et blancs parce que les photos noires et blancs, on est encore plus beau qu'en couleur. Si, si. Les photos noires et blancs, c'est toujours plus joli. Ah, attention, à mon goût, hein. C'est toujours pareil. Hein. On est beaucoup plus beau, si. Alors donc là, quand je vais vous ouvrir ma carte, normalement il va y avoir un message qui va apparaître dehors, derrière, dehors. Je dis n'importe quoi aujourd'hui. Derrière. Ou une autre image. Non, si, Michel Drucker aussi avec un micro, si. Je comprends son message.
Si, c'est parce que je chante. Donc, elle me présente. Bah, si. Je me présente, je m'appelle Angie. Suis sûre que c'est pour ça. Si, c'est Michel Drucker. C'est Michel Drucker, il est en train de m'annoncer. Si je vous présente une nouvelle chanteuse qui s'appelle Angie, elle va cartonner cet été avec son tube Bah si j'ai droit, bah si j'ai droit. N'importe quoi! Peu importe, peu importe. Si, moi je sais, je suis folle. Alors donc pour ce faire, si. Donc elle m'a mis une petite. Alors qu'est-ce qu'elle m'a fait? Parce que les histoires des chamallows là, je sais pas. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une petite enveloppe avec. Oh super, un paperclip, un CPC. Oh, Oh, un cactus, si. Dans la vie, il n'y a des cactus. Moi, je me pique de le savoir. Aïe, 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 aïe. Ah, si. Oh la vache, c'est vachement beau ce qu'elle m'a fait. Donc, elle a pris une base, elle a fait une patouille. Hein? J'adore. J'adore ton style. Oh, Pierre, mais quelle bonne idée. Oh, mais quelle bonne idée. Ah, ben, je crois que dorénavant, je vais faire comme ça. Si, j'adore ton idée. J'adore ton idée, Marie. Si, parce que en fait, donc vous voyez, elle a mis donc une base de craft, elle a collé une image de désert, et donc elle a mis son paperclip sur sa base. Mais regardez, elle a fait une petite fente pour entrer le paperclip. Regardez si c'est pas génial. J'adore. Ah si, j'adore. Ah là là, c'est superbe. J'adore. Donc voilà, cactus. Je te remercie infiniment. Donc il va aller dans ma collection qui commence à enfler. Moi je suis super contente. Bah si, je trouve que c'est une idée géniale. J'ai droit quand même. Si. Et puis il est sublime, hein. Inspiration. J'adore. C'est très vintage là par contre. Hein. Là fait très vintage. J'adore. Magnifique, magnifique, magnifique. Ensuite, hein, donc, oh, la folle. Oh non, elle m'a dit si tu les manges pas. Bah non, bien sûr que non, je vais pas les manger. Bah non, bah, je vais pas faire ça. Hein. Bah ça se fait pas. Oh non, elle est folle. Ah si. Non. Oh non. Si. C'est pour les barbecues. C'est bon les chamallows au barbecue. T'es folle. Bon, ça va côté bonbon. Si côté bonbon, c'est ce côté-là. Vous savez, le côté là, c'est les bonbons. Si c'est moi. Mais là, c'est les bonbons. Si c'est les bonbons. Alors, des petits chamallows. Non, 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 je résiste. Oh, j'adore ça. Non, mais le problème, c'est que je mange le paquet. Hein. Non, c'est vrai. Hein. Oh, elle est folle. Oh là, oh, les Smarties. Oh, c'est une folle. Si, elle m'a mis. Oh là 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 là. Alors, ça, par contre, c'est tout de suite, je vais en prendre un aussi. Bah, si j'ai droit, oh là, je le fais. Alors, vous voyez ce que je fais? Bah, je mets tout dans la bouche. J'ai toujours fait ça. Je m'achetais des tubes. Si, des tubes, et je mettais le tube complet. Si, comme ça, hamster. Si, je faisais le hamster. Si. J'adore ça. Hein. Si. C'est très très bon. Et, voilà. Pour se faire. C'est des bonbons arlequins, c'est acidulé, j'adore. De toute façon, j'aime tout, c'est chiante. Elle est folle, t'es folle. Nancy, ah, c'est joli Nancy. T'habites Nancy? Je sais pas, j'ai pas regardé. Ah, bah oui, c'est bon. C'est normal, c'est les bonbons de Nancy et de Nancy. C'est une très jolie. Ça, donc, à la bergamote, c'est vachement bon. Souvent, j'en prends. Des tisanes à la bergamote. Si, c'est le Earl Grey. Ils appellent ça le Earl Grey ou un truc comme ça. Ben, c'est la bergamote. Si. J'adore ça. C'est vachement bon. Oh, mais t'es folle. Hein. Et l'arlequin, c'est acidulé. C'est délicieux. Hein. Oh là là. Mais t'es folle. Oh non, les violettes. Hein. Ça aussi, c'est bon. Oh, non. Mais bon, moi, la violette, c'est délicieux. Et alors, ça me rappelle mon enfance aussi. On mangeait ça, puis on avait aussi des bonbons. Il y avait les bonbons miel, les violettes. Et puis aussi, je mangeais des mûres. C'était un peu mou, là. C'était comme de la gomme, en rouge et en noir. Tout ça, c'était vendu souvent ensemble, tous ces bonbons-là. Je suis en train de chercher l'autre fleur qu'il y avait souvent avec la violette. On mangeait ça, des petites boules d'anis aussi. Si. Oh là, mais t'es folle. Oh non. Mais tu es folle.
Ouais, et c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est violet dedans. Ah, parce que là, c'est vert. J'adore le vert aussi. C'est les couleurs de l'espoir. C'est violet dedans. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre ça en premier? Je ne sais pas. Il y en a plein. S'il y a plein de choses, elle est folle. C'est les folles. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oula, ça fait des bruits. Si c'est violet dedans, qu'elle dit. Pour ce faire, c'est quoi? Oh, c'est une... Oh, mais tu es folle! Mais tu es folle! Une belle boîte de... Oh la vache! Oh, ça sent bon. Je peux pas... Oh, c'est dommage, c'est de la... c'est des infusions. Je peux pas vous partager. Ça sent trop bon. Si, ça sent trop bon. Oh, je vais me régaler. C'est magnifique, hein. C'est pour me relaxer. Si, c'est pour me détendre. Non, mais Roubouille. Non, mais non, mon bébé d'amour. Mais si, il veut venir. Si, il veut y goûter. Mais c'est pas pour toi, c'est pour moi. Bah oui. Alors, fruits, mélange de plantes, arômes de fruits et pétales de fleurs. Tilleul, mûre, rose. Oh la vache, ça sent trop bon. Alors moi, je les fais infuser avec des... J'ai des petites cuillères, là. Ça, c'est des cuillères qui sont à trous, là. J'utilise ça, moi, pour infuser. Alors, ils font plein de jolies choses, hein, pour infuser les... Pour infuser les... Pour infuser, quoi. Les infusions. Ouais, vous avez compris quoi. Si. Mais tu es folle, écoute. Oh non, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Si. Alors, de chez moi, Kédi. J'adore, j'adore être trop là. Trop rigolote. Alors, bon, ah, c'est des bulles, j'aime bien ça. Si, j'aime bien ça, faire péter les bulles. Alors, pour ce faire, c'est du miel? Non, c'est pas du miel. Oh, c'est de la confiture de Mirabelle. Oh, alors, de Lorraine à la bergamote. Oh, ça doit être trop bon. Non, je vais pas l'ouvrir tout de suite parce qu'une fois que c'est ouvert, il faut. Ah si, ça a beau être de la confiture, voilà quoi, il faut. Oh là, mais tu es folle. Oh là là. Oh, j'ai trop hâte d'y goûter. Avec des petites crêpes, sur une petite crêpe. Oh là. Si, si, sur une petite crêpe. Ou une petite tartine de beurre, la griller. Oh, oh là 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 là. Oh si, de chez moi, Kelly. Si. Oh là, mais t'es folle. T'as compris quoi? Si t'as compris, t'es folle, écoute. Mais t'es folle. C'est quoi? Parce que c'est ma live. Parce que c'est ma live, Kelly. Parce que c'est ma live. Oh non, c'est drôle. Oh là, ça sent bon ça. Je suis sûre que ça sent bon. C'est à la violette. Oh, c'est une savonnette à la violette. Non, c'est bien emballé. L'odeur, elle sort pas trop. Oh là là, c'est trop bien. Parce que c'est ma live. Si, si, si. Oh, t'es folle. Fabriquée en France. Une savonnette française, made in France. C'est super. Elle m'a mis du joli ruban qui va. J'adore cette. C'est beau, hein. C'est beau cette couleur. Qu'est-ce que j'aime cette couleur? Si, qu'est-ce que j'aime? Parce que c'est ma live. This is my life. What can I do? Si, what can I do? Qu'est-ce que je peux y faire? This is my life, what can I do? Oh non, non, le ruban ça va là. Non, parce qu'il y a le quoi. Si. Mais tu es folle, hein, écoute. Si tu es folle. Parce que c'est ma life. J'adore le message. What can I do? This is my life. Parce que j'ai eu envie, j'ai droit quand même. Je ne sais pas, il y en a tellement des trucs rigolos. Parce que j'ai envie, j'ai droit quand même. Comment ça, t'as envie? C'est quoi? C'est quoi? Pour se faire, c'est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, qu'est-ce que c'est? J'ai peur. Non, mais j'ai peur. Non, parce que c'est une folle. Si c'est une folle, comment on fait? Non, je ne sais pas. Oh, oh, c'était trop mignon. Oh, j'adore. Oh, regardez, c'était trop bien. C'est une boîte? Bon, elle a un petit peu morflé, mais c'est pas grave. Hein. Mais non, ça se voit pas. Tiens, ça y est, t'es réparé. Oh là là, c'est rien. On va pas faire une comédie non plus. Alors, vous voyez, on tire la bobinette. Si, il y a un petit charme avec une jolie feuille et des petites perles de rocaille comme ça. Une petite boîte hein, comme ceci. Vous voyez? Oh, ils vont encore me demander le tuto. Les... Si, ils vont me demander un tuto. Si, c'est sûr. Alors, vous avez... Si, vous avez une boîte. Et dans la boîte, vous avez une boîte. Vous voyez? Hein? Si elle est encadrée. Et donc quand vous tirez sur la bobinette, la boîte, hop là, et des bonbons. Si j'ai droit. Oh, c'est vachement bien, j'adore. Non mais je veux moi ça. Si je veux le faire. Ah oui, je comprends. J'ai compris le système. Ouais, je suis trop intelligente, c'est pas ma faute quand même.
Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Juste sur les côtés, là, comment c'est attaché? Ou sûrement avec des attaches parisiennes, non? Si, il faut que ça tourne, donc c'est des attaches parisiennes. Là, vous mettez la ficelle, pouf, pouf. Pouf, pouf, pouf. Si, puis quand vous tournez, paf, vous avez compris, quoi. Si, j'adore, j'adore. Oh, je vais la garder, mais sans les bonbons dedans. Si, je vais l'exposer avec les jolies choses. Si, j'adore. J'adore le système. Hein? Si vous voulez un tuto, eh ben, demandez à Marie. C'est ça. C'est ça. Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais t'es folle, écoute. Il y a encore des bonbons acidulés. Si, il y a encore des harlequins. Si. Harlequin, harlequin. Si. Au bal masqué, oui, elle danse, elle danse, au bal masqué. Elle ne peut pas s'arrêter, oui, de danser, 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 danser. Pendant toute l'année, on prépare les costumes. Dracula, Casanova, c'est un vrai plaisir de chanter, nanana, Colombine, Harlequin, ouais. Aujourd'hui, je fais ce qui me plaît, car c'est le 1er mai. Aujourd'hui, je fais ce qui me plaît, c'est la fête du muguet, c'est la fête du muguet. Si, le 1er mai, ohé, ohé, tu fais ce qui te plaît, ohé, ohé. Tu ne peux pas t'empêcher, ohé, ohé, de chanter, 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 chanter. Bah si, j'ai droit, hein, de toute façon, je fais ce que je veux. Hein. Alors pour ce faire, si, pour ce faire. Et pendant ce temps-là que je fais le con, hein, les minutes elles tournent et je ne peux pas faire de tuto maintenant. Comment vous allez faire sans tuto? Bah si, comment vous allez faire? Si. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a mis là-dedans? Elle est folle. Si, c'est une folle. Oh, elle m'a mis des washi, des machins. Mais tu es folle. Ah, c'est pour mon herbier. Oh, ah, c'est quoi? Si j'ouvre. Non, ça sent rien. Ça sent rien. Mais par contre, je peux mettre dans mon herbier. Regardez, c'est joli. Je vais faire une petite page avec un petit tube comme ça. Je sais pas ce que c'est. Ah, mais c'est de la lavande. Je pense que c'est de la. Mais c'est pas, je pense. J'en suis sûre. C'est de la lavande. C'est un brin de lavande. Si. J'adore. Oh, les washi marguerite. Oh, ça. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Si, elle m'a mis des washi marguerite que j'aime. Si. Ben oui, moi j'avais pas réussi à les trouver. Alors, il y a une autre petite scrap. Je crois que j'ai déjà tout usé. Non, il me reste un petit peu, je crois. De celui-ci là. Si. Mais celui-là, je ne l'avais pas eu. Et ça, j'en ai presque plus. Donc, je suis très très contente. Si je les mets là, parce que j'ai droit. Ça, c'est pour mon herbier. Oh, c'est quoi comme fleur, ça? Ah, oh, c'est joli, ça. Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus. Ah, oh, c'est vachement bien fait en plus. Oh, je suis trop bien, c'est pour mon herbier. Si j'ai droit. C'est quoi tout ça? Mais elle est folle. Si, c'est une folle. Alors attendez, je mets ça avec mon herbier derrière. Je suis très organisée. Vous avez vu, je range au fur et à mesure maintenant. Si. C'est pour pas prendre trop de retard. Bah non, non. C'est pour pas prendre trop de retard pour se faire. Alors pour se faire. Non mais. Alors, un pin's avec du. C'est quoi? Ah, le pinot des Charentes. Oh, c'est bon le petit pinot. Un petit pinot blanc ou un petit pinot rouge, c'est pas mal du tout. Avec deux, trois petites cacahuètes. Si. Alors pour se faire. Oh, oh là là, oh, elle m'a fait un petit. Oh, c'était tout mignon. Avec une reliure japonaise en plus. Alors, si, on pourrait le faire ça. On n'a jamais fait ça ensemble, les petites reliures japonaises comme ça. Enfin, moi, j'appelle ça japonaise, mais je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un petit mini, 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 junk avec des petites pages lunettes. Tout petit, petit, petit. Hein, vous me mettez en charme. Un petit, petit carnet comme ça avec une petite reliure japonaise. Si, j'adore, j'adore, j'adore. Si. C'était tout mignon, adorable. Oh, alors, et puis un joli embellissement bois en forme de fleur. Elle l'a ancré. Je ne sais pas comment. Je me demande si c'est pas elle qui l'a fait à la Pierrot, qui l'a coupé là. Si, je ne sais pas. Parce que vous voyez, on a le comment la chauffe de l'appareil qui coupe. Vous voyez, ça fait les brûlures là. Hein. C'est de l'appareil qui découpe là. Je me demande si c'est pas elle qui l'a fait. J'ai un doute. Hein. Je me demande si c'est pas elle qui l'a fait. J'ai un gros gros doute et j'aime bien ce style comme ça. J'ai un doute. Je me demande si c'est pas elle qui l'a créé. Si. Je suis quasiment sûre que c'est elle. Si. Alors je mets là. Si. Oh, j'adore ce petit junk là. Tout petit petit. J'adore. Tout ce qui est mignon, tout ce qui est petit est mignon, hein. Massif, massif. Alors ça, c'est des emballages récupérés. Ça, c'est là. De la colle scotch. J'adore la colle scotch. Si je fais des boulettes avec.
Je m'en sers, vous savez, pour durcir les fils, pour pouvoir enfiler les perles et tout ça. C'est ah bah la colle Scotch, de toute façon, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Si. J'adore, tiens d'ailleurs, je vais le défaire tout de suite. Hop, c'est ma colle préférée. Pourquoi il est bleu, lui? Parce que moi, d'habitude, mes machins, bon, c'est vrai, j'en ai presque plus là. Mes tubes, ils sont à la fin du. Je suis au bout du tube. Mais moi, il est vert. Pourquoi toi, il est bleu? Transparent. Transparent. C'est quoi la différence? Transparent? Tiens, j'essaierai. Je suis intriguée. Si, ça m'intrigue. Je mets là, si j'ai droit. Voilà, pour ce faire. Non, il y en a encore beaucoup. Mais t'es folle, écoute. C'est quoi ça? Je ne l'ai. Je ne l'ai. Je ne l'ai. J'arrive pas à lire. Non, j'arrive pas. Lise pas. Je ne les réalise pas. Ah, je ne les réalise pas. Je pense que c'est quelqu'un qui. Enfin, c'est quelque chose qu'elle ne fait. Elle me dit que c'est pas elle qui le fait. Je pense que c'est ça. Hein. Si, parce qu'elle écrit gros et regardez, avec une écriture de médecin. Si, elle a une écriture de médecin. Les médecins, on comprend jamais rien à ce qu'ils écrivent. Si. Ah, mais. Ah, c'est. Non, c'est elle qui les réalise. Je. Ah, j'en sais rien. Je ne sais pas. Ah, je ne les utilise pas. Oh là là. Si, j'ai compris. Si, j'ai compris. Non, elle a mis, je ne les utilise pas. Oh là là. Oh, moi, j'adore ça. Ah bon? Pourquoi tu n'utilises pas? Pourquoi tu les utilises pas? Bon, je vais les tester dès demain sur un tuto. Je ne les connais pas. Enfin, il y en a tellement. Puis c'est, comment vous dire? C'est un petit peu onéreux, ces produits-là. Ah, si, si. Je vais les tester très, très vite. Hein. Si, très, très vite. Hein. Très très vite parce que j'adore moi par contre hein, faire des tâches des machins et tout ça si j'adore si j'adore et c'est quoi ça mais elle est folle hein, des trucs bidules de mon vieux père oh bah ben non il faut pas faire ça non si ça me touche ça non c'est alors bon je peux faire c'est quoi j'arrache le babier comme une sauvage si j'ai fait ça. Merci, j'ai fait ça. C'est quoi? Ah, oh, c'est quoi? Ah, oh, c'est bien ça pour faire du steampunk. Oh, c'est bien, c'est joli. Ah, hein. Oh, alors c'est des pièces métalliques. Alors, je sais pas ce qu'il faisait son papa comme métier. Je ne sais pas. Mais je me demande. Oui, je ne sais pas. Hein. C'est des jolies découpes métalliques en forme de fleurs un peu. Peut-être c'était pour mettre sur des meubles en bois. Peut-être son père, il était menuisier ou je ne sais pas. J'en sais rien. Peut-être il créait des meubles en bois ou une chose comme ça. Ou... C'est un métier d'art. En tout cas, son papa, c'est un artiste. C'est un métier d'art, ça. Tu me diras si je me trompe, si je dis plein de bêtises, si je dis n'importe quoi. C'est ça. Regardez-moi ça, cette chance que j'ai. Oh, des petites. Oh, c'est beau. Hein. C'est super beau. Hein. Oh, c'est des belles pièces métalliques. Hein. Elles sont sublimes. Je me demande ce que c'est. Oh, je suis sûre que c'est un métier, et c'est pour mettre sur des meubles en bois, pour décorer, faire des poignées, ou je ne sais quoi, autour d'une serrure, autour d'une clé, autour d'une un truc comme ça. Je sais pas. On dirait ça. Mais ça se trouve, je me trompe complètement. Je sais pas, j'ai un doute. Elle m'explique pas. Il est où ton mot? Tu m'expliques des trucs. Si, si, c'est ça. Des trucs bidules de mon vieux père. Ouais. Tiens, je sais ce que je vais les mettre dedans, comme ça. Parce que j'ai pas tellement envie de les perdre ou de les abîmer. Enfin, ça risque pas de s'abîmer parce que c'est du laiton. C'est comme du laiton. Je pense. Ouais, je pense. Piqué pour toi dans le supermarché. Mes abonnés se mettent à voler maintenant, c'est nouveau. Ah, mais c'est nouveau ça. Ah, mais c'est nouveau. Faut dire que je leur donne bien l'exemple à certaines. Merci. Bientôt, on fera une page de mon herbier avec des enveloppes. Si, des enveloppes bleues. Si, j'ai fait. J'ai droit, je m'en fous. Et donc, elle m'a pris des sacs fruits et légumes. C'est bien ça pour les junks. Si, j'adore faire ça. Pour mes junks, parce que c'est ma passion. Le junk, c'est vraiment ma passion. Si. Bon. Photo prise sur mon lieu de travail. Waouh! Ah, c'est beau! Je vais mettre ça derrière ton petit mot. Comme ça, oh, je me rappellerai parce que je les encadre. Oh, j'adore, regardez comme c'est beau. Je vais l'encadrer. C'est joli, hein, les petites pâquerettes. Ça fait trop beau. Oui, tu es doué en photo, hein?
Ouais, si, la vache. Ouais, c'est trop beau, c'est une photo. Parce qu'elle fait des photos, c'est sa passion, c'est de faire des photos. Alors souvent, elle prend les enfants en photo, et puis là, oh, c'est trop beau, j'adore cet effet flou derrière et tout ça, là. Parce qu'elle a fait une macro, ouais, une macro, je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais. En fait, on zoome, on zoome, elle a zoomé pour avoir la marguerite en, hein, et tout ce qui est autour, ça se floute. C'est hyper joli, j'adore ta photo. Puis évidemment, comme j'adore les marguerites, les pâquerettes et tout ça. Enfin, et tout ça, non, pas tout ça. J'adore les marguerites, les pâquerettes, enfin, tout ce qui est gerbera, enfin, ce qui est marguerite, quoi. Tout ce qui est de la famille des marguerites, mais la marguerite et la pâquerette, évidemment. Bah, c'est ma fleur préférée, pour toujours et à jamais. Si. Si. J'adore, elle est magnifique. Je l'encadrerai, puis je la mettrai avec les autres. Ensuite, ça se termine. Ah, ça se termine. Si, c'est comme un soulagement. Si, elle est folle. C'est une folle. Alors, qu'est-ce que tu as mis là-dedans? À partager. Ah, bah, avec plaisir. On va faire ça. Je vais scanner tout ça. Puis je vais mettre sur cette vidéo-là. Hein, d'accord? Alors, elle me dit que je dois partager. Mais c'est avec un immense plaisir. Oh, m'a mis des popos. J'adore. J'ai des pochettes et tout. Ouais, t'es trop bien. Mais t'es bien. Mais t'es trop bien. Si. Alors, ça, c'est à partager. Je vais vous mettre. Une planche, j'adore ça. Une planche avec des petits feuillages, c'est magnifique, j'adore. Alors ça, vous voyez, ça me fait penser à la création qu'elle a faite, justement. Je l'ai mise où? Alors attendez, hop. Vous voyez, par exemple, elle a fait cette création-là. Eh bien ça irait bien, cette photo-là, pour faire ce genre de création, vous voyez? Ça plairait à ma binôme Véronique, je suis sûre que ça lui plaît, ça. Si tu passes par là, Véro, tu me dis, mais je suis sûre que ce genre de création, ça te plaît. Si. Et que cette image-là, eh bien, bah après, il faut que tu trouves le titre de ta chanson, hein, pour l'alimenter. Mais je trouve qu'elle irait bien comme ça sur un style de page art journal comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Tu me diras ce que t'en penses. Si, j'adore. Donc je vais la partager, je vais partager cette page-là. Je suis très fan de ça. Très très fan, j'adore. Et cette page-là. Oh les oiseaux, j'adore la tête, les yeux, regardez les yeux, j'adore. Ça fait très country. Des pages d'écriture, ça c'est des tickets, vous savez, bah, c'est pareil, c'est pour faire du style vintage. J'adore. Les petites fleurs comme ça, là, c'est sublime. Le texte rayé, c'est génial. Au détour du chemin, se laisser guider. Félicitations, les petits sentiments, félicitations, elle est beau aussi, hein. Tout ça, je vais partager. Bah, si vous êtes gentil. Si vous êtes gentil, si vous n'êtes pas gentil, que dalle, vous n'aurez rien. Vous avez compris? Si. C'était jolie image de feuille en noir et. Oh, c'est magnifique, sublime. Vous voyez, ça, c'est une marguerite. Bah, si, on disait que c'était une marguerite, et puis c'est tout, on a droit quand même. Donc, bah, si, c'est 1er mai, on a droit. Du ciel bleu plein les yeux. Du ciel bleu plein les yeux, regardez, c'est trop beau. C'est hyper joli. Et là, c'est pareil, ces jolies images là. Faire de l'arde, ah bah c'est trop beau, hein. Trop trop beau. Hein. Le bateau là, avec le Mont Saint-Michel, on dirait le Mont Saint-Michel, non? Je vois le Mont Saint-Michel partout maintenant. Si, c'est n'importe quoi. Hein. Surtout que c'est pas le Mont Saint-Michel, il y a un pont comme ça là, c'est pas le Mont Saint-Michel du tout, ça. Pas du tout. On dirait Collioure, si, ça ressemble un peu à Collioure. Oui, enfin bref, je ne sais pas. Un paysage quoi, c'est trop beau. Ben, je vais partager, je vais scanner ça, puis je vais partager avec vous tous. Et puis elle m'a mis plein de trucs, elle est folle, elle est folle. Inspiration, des sentiments, des trucs. Mais tu es folle, écoute. Oh, j'adore ces fleurs-là. C'est un style. J'adore. Oh, mais tu es folle. Tu es folle. T'as compris, quoi. Des pochoirs, des jolis fonds de. C'est trop joli aussi, ça. Oh là là. Oh, là. Oh, c'est beau, ça. C'est trop beau. J'adore. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Oh là là. C'est superbe. Oh là là. Mais vous me gâtez trop. Hein. Je sais. Non, c'est trop. Ah, des fleurs. Ah, les a découpées. Ah, la vache. Oh, c'est super bien détouré. Hein. C'est justement, c'est des feuilles de pensée, je crois. Je crois que c'est une. Ouais, parce que l'autre, elle s'était fait la malle. Ben justement, je ferai une création avec. Je rajouterai la petite pensée qui était perdue toute seule. Si. Si. Oh, c'est trop bien. Hein. Mais tu es folle. Oh là là. J'adore ces fleurs-là. Oh là là. Puis alors, cette découpe de feuilles, là, j'adore aussi. Tout ça, de toute façon, j'aime tout. De toute façon, j'aime tout. Si on dirait des bonbons, si on dirait des bonbons, des spirales. C'est beau ça, hein? Ces découpes-là sont sublimes aussi. Moi, hein? Bon, j'y arrive pas, mais ah si, ça y est. Regardez comme c'est beau ça. J'adore ces découpes. C'est trop magnifique, trop magnifique, trop magnifique.
Oh. Oh, il y en a plein, je peux pas tout vous montrer, c'est pas possible. Oh, les flèches et tout. Oh, c'est trop bien. Oh, le cœur. Oh, il est superbe. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est une bouteille de lait? Non, c'est quoi? Je ne sais pas. La fille qui est nulle. C'est quoi ça? Ah, c'est un tube. C'est un tube de peinture. La fille, elle est nulle. C'est un tube de peinture. C'est un tube de gouache. Si. Si. Je peux faire une création avec des gouaches. Je peux mettre une couleur à chaque tube. Oh, oh, je vois bien la petite carte avec un. Oh ouais, avec les couleurs qui dégoulinent du tube et tout, ça peut être super joli. Oh là, ouais, j'ai envie de faire plein de trucs. Mais le temps me manque, hein, les filles. Le temps me manque, les filles. Oh là, c'est beau, ça. Oh, c'est du papier de soie, ça. Du papier de riz, du papier de soie, du papier... un papier de riz, hein. C'est un papier de riz, ça, non? Je sais pas. Ça ressemble. Vous savez, c'est du papier... Comme les feuilles qu'on utilise pour faire du vernicole, là. Des feuilles de... Comment ils appellent ça? Ça a un nom particulier, je pense, non? Enfin, moi, j'utilisais beaucoup, beaucoup... Bah, plus maintenant. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais là, c'est l'occasion de le faire, par exemple. Avec le vernicole, on utilise ces feuilles-là. Il est texturé, en plus. Il y a des petits... le foil, là. Il y a du foil dessus. Il est assez joli. Super joli avec toutes ces fleurs. Bon, bah, comment vous dire? Vous avez compris, quoi. Je suis pourri gâtée. C'est horrible. Si, c'est horrible. C'est horrible d'être gâtée. Si, c'est ça. Alors, pour ce faire, je te remercie de ton envoi, Marie. En plus, on a bien rigolé. Enfin, moi, perso, j'ai bien rigolé. Si, si. Je vous dirai. Ouais, j'ai pas mes mots. C'est rare, hein. Mais ouais, je suis trop contente. C'est ouais, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis donc, du coup, je vais partager. Ben, je respecte. Hein, y a pas de toute façon, je l'aurais fait. quand on met des planches comme ça, je les partage. Alors, j'ai une de mes abonnées là qui m'a réclamé des tamponnages et tout ça. Mais alors lesquels? Ah non, parce que je ne regarde pas mes propres vidéos. Hein. Bon, c'est bon. Donc. Dis-moi si tu passes par là, toi qui m'as demandé de remettre les tamponnages en partage, ça veut dire que je les ai mis en partage, bah, tu me dis ce que c'était, ce que ça représentait, parce que c'est dans mon drive, hein. Et donc je remettrai le lien dans, quand tu me l'auras dit, ce que c'était, je le remettrai dans une prochaine vidéo, d'accord? En tout cas là aujourd'hui, il y aura ça en partage, d'accord? Hein, voilà, je fais ça, il y a 4 planches, c'est ça, une, deux. Il y a 4 planches, ok, dont cette magnifique, voilà, c'est mon petit coup de cœur, ça. C'est mon petit coup de cœur, ce visage de cette fille qui, voilà, qui regarde sur le côté comme si, je sais pas, ouais, je ne sais pas. Ça m'inspire, je sais pas, plutôt de l'inquiétude, je ne sais pas. J'adore, en tout cas. Si. Voilà, allez, je vous fais tout plein de gros bisous et puis passez une bonne fin de journée surtout. Hein. Prenez soin de vous, bien sûr. Et puis, on se retrouve bah, là maintenant, je pense que ce sera demain ou moi, ouais, je ne sais pas. Dès que je peux. En tout cas, c'est dès que je peux. Je commence à être un petit peu débordée avec mon boulot, moi. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et puis, j'ai pris un engagement. Si, j'ai pris un engagement. Jamais de la vie, je fais ça. Ce sera peut-être la seule et unique fois, on ne sait pas. J'ai pris un engagement, voilà. Donc, je le ferai la semaine prochaine. Hein, parce que je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Donc, voilà, je ferai quelque chose qui va me changer un petit peu. Et puis, qui est sympa aussi, c'est sympa. Donc, voilà. Et puis, mais que va-t-elle donc faire? En tout cas, c'est du scrap. Si ça peut... C'est ça. Et puis voilà, donc voilà, demain c'est une nouvelle semaine qui commence. Voilà, je vous fais tout plein de gros bisous. Hein, et puis à bientôt. Bisous, ciao.